La Bible est tout ce que la Bible est dit. Voilà, moi j'ai la Bible pour comprendre pas la même chose. En plus, la Bible est les liens pour le lancer. Ils ont le match composé en animalier. Dans les grands différents, moi je l'ai dit, il est plus moderne, donc Dieu vous dégradé. Je suis sur la tête d'un homme pour la longueur, c'est important. Non pour la longueur, mais un jour pour les lapins. C'est-à-dire que les lapins ne mangent pas tout. Il y a des petits dents, on est surtout la main d'une vague qui est pour la colonisation. Donc, on est cet aliment approprié. Les cas de grains sont différentes tailles en fonction de vos besoins. Ils sont différents pour un lapin d'une semaine à l'étage et des lapins d'engraissement. Voilà, après les aliments en forme, tu vas qu'on va cacher les aliments gris. Voilà, ça c'est l'aliment d'engraissement. Voilà les granulés au niveau, voilà les granulés et les fils. Donc, il faut avoir en main, c'est-à-dire par contre, aliment pour tout, la paix en aliment pour tout. Par contre, il y a certaines personnes qui font en règlement, ils font la paix et la nuit pour les reproducteurs. Voilà. Donc, ça dépend de ce que vous allez faire. Les granulés, c'est bien, pour que je nous sorte de l'autre, je vous dis que j'ai fait un autre endroit. L'alimentation du lapin,
il y a quatre différents types d'alimentation qui sont les granuleux locaux, les granuleux importés, l'alimentation mixte, l'alimentation de transition, les granuleux locaux. Et je vous dis tout à l'heure, il y a quatre manières de nourrir de la mer. Soit vous le nourrir au granuleux importé, soit vous le nourrir au granuleux locaux, soit vous le nourrir à l'alimentation mixte. C'est quoi? Mais quand je dis que par un jeu de cours, c'est pour la vie, oui, ça fait des jeux, ça fait des années à côté, ça fait des jeux. Mais en toute chose, il y a un avantage et un inconvénient. Si tu viens tout seul, si tu as pris un jour, tu m'en vas à la place, tu cherches les aliments comme tu veux, eux, tu ne l'appelles pas. Voilà, on appelle ça, une personne qui a fait des choses alimentaires, non, mais c'est bien. Si tu viens de s'appeler, tu parles de façon. Donc, l'alimentation mixte, c'est bon, mais voilà ton problème. C'est-à-dire que la bataille, c'est que c'est la parole de Dieu. Mais si après, c'est une sorte de la main, pour griller un parlement ou de la maladie dans la personne. Donc, là, c'est un bien avec les problèmes. Mais si c'est celui que vous allez apporter dans le monde, parce que quand vous êtes malade, il n'est pas que le monde ne pas comme votre malade, le mot aussi de Dieu est mixte, il va bien. D'accord? Donc, si vous avez le choix, après la nourriture, j'espère que la nourriture, vous allez vous organiser et apporter, vous allez vous organiser aussi pour ça. Mais les choix. Maintenant, il y a une transition alimentaire. La transition alimentaire, c'est quoi? En une partie, c'est l'aliment à un alimentaire. Je vois que c'est le système. L'alimentation, oui. Bon, je réponds parce que vous pouvez vous déclarer plus vite. L'alimentation du plat. Il y a quatre différents types d'alimentation qui sont les granuleux locaux, les granuleux importés, l'alimentation mixte, l'alimentation, les granuleux locaux. Un point de lien. A. Très fort en nutrition, en nutriments. B. La production lente. C. Croissance lente. D. Peu de mortalité et D. Donc, vous voyez que c'est ça qui a nourri nos granuleux locaux. Voilà, c'est ça. La croissance est là. Il y a des maladies. La reproduction est là. Donc, je dis que si tu es élevé de la terre pour manger le troupeau, c'est vraiment très intéressant aussi de voir le produit de travail pour les gens qui sont ici. Les avantages, c'est moins cher, mais c'est pas rentable. L'avantage, c'est que c'est moins cher. Et il y a beaucoup de rues pour s'en produire. Voilà, souvent je dis qu'il y en a, tu fais qu'il y en a. Mais, Les graniers importés, l'inconvénient trop cher. Trop cher, on trouve pas la nourriture, la vécue. Mais dans le temps, la production est rapide, la production est rapide. Ça fait que les graniers. Voilà ce que je voulais expliquer, et je vais vous faire comprendre. Il y a quelqu'un qui dit, quelqu'un qui dit, moi je voulais des graniers, les aliments importés sont chers. D'accord? Parce que, et moi, 10 000 francs de chaque individu. D'accord? 10 000 francs de chaque individu. Voilà. Moi, avec mon
Et préparer cet aliment-là. Vous êtes
mal, le producteur 5 grammes de soude serait le producteur vide.